à mes enfants. Papy avec ses deux filles. À mes petits-enfants. Papy. Papy. Et à mes arrière-petits-enfants. On est vraiment désolés. Qui poursuivent le chemin tracé. C'est une famille qui perd le grand-père, qui perd leur socle et qui essaye de continuer de vivre tous ensemble et ils ont beaucoup de mal à encaisser ça, ils ont beaucoup de mal à en parler, et ils ont beaucoup de mal à se dire qu'ils s'aiment et comme dans beaucoup de familles. Hein. C'est lui qui faisait que, avec tout ce qui nous séparait, on était quand même une famille. Vous voulez un cercueil en chêne? 100 euros, il est en carton. Oh non, non, c'est pas un déménagement. Je dirais que c'est un film contre le racisme, sans en parler. Je dirais que c'est un film sur la mort qui donne quand même un peu envie de vivre. C'est un film sur la quête identitaire. C'est un film autour des enfants d'immigrés, de comment les enfants d'immigrés peuvent ressentir le besoin d'un devoir de mémoire ou pas. C'est un film aussi sur l'amour et l'importance des grands-parents quand les parents ont été toxiques. Ma mère, elle a 50% algérienne, donc moi, la moitié de 50, c'est 25. Tu voudrais bien me donner ta salive pour un test ADN complet? Ah. Tu trouves que c'est normal qu'à l'âge que j'ai toujours peur de toi? J'ai envie d'avoir un esprit reposé. Et puis j'espère que c'est un film où les gens se diront que on est tous citoyens du monde, que plus on est de culture ethnique, étrangère, plus on s'assemble aux uns aux autres, plus on ne fera que s'enrichir.